Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance avec moi, une séance spéciale pectoraux et dos avec élastique. Donc pour ça, on va mettre les élastiques ici à mi-hauteur. La séance va durer une vingtaine de minutes. Vous allez voir, c'est rapide. Vous avez juste à me suivre, ok? Allez, on est parti. Donc allez, on est parti pour une séance pec dos rapide. Vous allez voir, ça va être rapide avec élastique. Donc là, on va commencer un échauffement donc vraiment tranquille avec élastique. En même temps, on va se préparer sur les exercices en question. Donc là, j'ai mis les élastiques. Je vais prendre un élastique très faible. J'ai pris un élastique très léger. C'est un échauffement. Je vais prendre les poignets ici. Je m'installe. Donc là, même si j'ai les jambes tendues, même si les jambes sur une jambe, je ne suis pas censé être tiré en arrière. D'accord? Pour montrer à quel point il n'y a pas de résistance. C'est juste un échauffement. Donc là, tout simplement, donc une jambe devant, une jambe derrière, je vais tout de suite prendre le bon mouvement. Ici, je tends les bras, je vais resserrer les bras. D'accord? Ici, donc je vais chercher à resserrer pour enrouler l'élastique autour des épaules pour avoir une contraction sur les pecs. Le fait de resserrer, l'élastique va continuer à augmenter sa tension, ce qui va permettre de travailler un petit peu plus l'intérieur des pecs. Donc ici, hop, d'accord, tranquillement, là. Et je vais même ouvrir un peu plus les bras pour étirer la cage thoracique. J'ouvre les bras, je resserre, d'accord? J'ouvre les bras, je resserre. Je suis en échauffement, d'accord? C'est vraiment pas difficile, là. J'ai juste à mobiliser l'articulation de mon épaule. Ici, je vais même aller d'en bas en haut. Encore un petit peu dans tous les sens, d'accord? C'est vraiment juste pour échauffer, je le répète. Ici, en bas, en haut. Aligné ici, pas au-dessus des épaules, d'accord. Je vais jamais au-dessus des épaules, hein, c'est pas bon pour les épaules. Là, et là, je fais des petits mouvements rapides ici, d'accord. Vraiment chauffer l'articulation, chauffer les muscles des pecs. Ici, maintenant, la même chose, sauf qu'on va faire bras fléchis, bras tendus, et je roule toujours l'élastique autour des épaules ici, d'accord. Assez dynamique, faut que ça brûle, même s'il n'y a pas de tension. Vous allez sentir une petite brûlure qui va arriver. Ouais, je me crispe pas du tout sur les poignets, hein. Très très souple, mais je sens qu'il y a une brûlure qui s'installe autour des épaules et des pecs ici. Ok, faire la même chose pour le dos, donc un élastique très léger ici. Donc je me mets ici, donc c'est pareil, vous restez à mi-hauteur. Là, je me mets face à vous, c'est juste par rapport à la caméra pour être face à vous. Donc là, je prends mon élastique, pareil, il y a très peu de tension, hein. Ouais, même sur une jambe, je suis pas tiré, d'accord, pour montrer qu'il n'y a pas de tension. Ici, hop, je tire, j'ouvre la poitrine. Je reviens. Donc, je vais tout de suite écarter les jambes, fléchir la jambe, mettre une jambe devant, une jambe derrière. On va essayer de trouver une position qu'on va garder après. Ici, épaule en arrière, puis coude en arrière. D'accord? Épaule en arrière et coude en arrière. D'accord? Au début, on ne se prend pas trop la tête. On va juste chercher à tirer les épaules et les coudes en arrière. Ici, assez dynamique. Donc, les coudes le long des côtes. Vous voyez? Les coudes restent proches des côtes. Voilà, doucement, je vais éloigner un petit peu plus les coudes des côtes. Vous voyez? Pas trop, trop loin. Je continue à éloigner les coudes des côtes, ici, à peu près 90 degrés, mais pas au-dessus des épaules, d'accord? Je n'ai pas la tête qui rentre dans les épaules, ici, là. Ok, maintenant, bras ouverts, ici, j'ouvre, je reviens. Ici, d'accord? Là. D'accord? Je pousse, vous voyez, paumes de main sont face à face, les paumes de main restent face à face ici, et je vais les éloigner en tirant les coudes en arrière, en abaissant les épaules, ici, d'accord? Donc là, on a beaucoup moins de force, ici, hop, là. Et le corps ne bouge pas, d'accord? Tranquillement, ici, un peu vers le bas, un peu plus haut. Et je vais alterner mi-hauteur, un peu plus bas et près des côtes, d'accord? Donc, sous les épaules, mi-hauteur, au niveau des côtes. Hop, hop, assez dynamique, d'accord? Ça chauffe. On peut mettre une jambe devant, une jambe derrière, ou les deux pieds sur la même ligne, mais du moment qu'on a les jambes fléchies. Ok, maintenant, bras fléchis, ici, hop, ici, en dynamique, là. Okay, je le répète, il n'y a pas de tension. Okay, je cherche juste à préparer mon cerveau au mouvement qu'on va faire. Ok, on relâche. Et là, on va commencer à mettre un petit peu de tension. Donc là, mon élastique était très léger. Donc je vais mettre une tension plus forte. Et je vais avancer un petit peu. Hop, mais progressivement. Je vais avancer un petit peu progressivement. Donc là, voilà, je rajoute. Attention, je m'assure de bien mettre le bon élastique. Hop. Ici. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est
plus je vais mettre de la résistance, plus je vais devoir être fort sur mes jambes, d'accord? Je ne pourrais plus me permettre d'avoir les deux pieds sur la même ligne. Par contre, si je suis loin ici, deux pieds sur la même ligne, c'est impossible, je ne pourrais pas tenir, d'accord? Donc, il ne faut pas que je m'embête avec ça. Donc, il faut que je sois fort, mon bassin soit ancré au sol. Donc, pour ça, pas le choix d'avoir une jambe devant, une jambe derrière et la jambe bien ancrée au sol derrière. La jambe devant fait contrepoids. J'ai le bassin qui s'ancre au sol. Ici, je m'abaisse les épaules. Là, ventre serré, je contracte bien le ventre et les abdos. Ici, on va le faire doucement. Là, les bras ouverts, fléchis, je tends et je resserre autour des épaules. Je vais mettre face à vous, peu importe la jambe. Hein. Quand au début, mettez la jambe où vous êtes le plus à l'aise. Quand vous serez à l'aise, vous alternerez les jambes. Ici, là, je pousse et je resserre autour des épaules. Là, j'ouvre la poitrine. Ici. D'accord. Donc la respiration, vous ne prenez pas trop la tête avec ça pour l'instant, si vous débutez vraiment. Une fois que vous maîtrisez, en fait, on inspire quand on ouvre la cage thoracique et j'expire quand je pousse les bras devant. Ici, d'accord. Je cherche à contrôler mon corps. Le corps ne bouge pas, d'accord. Je reste droit, ici. Ok. On va en faire 10 assez dynamiques. 1, donc pas plus que ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Faire la même chose pour le dos, d'accord? Donc ici ou face à vous, là je vais mettre ici dos à vous pour que vous puissiez voir aussi comment je m'installe. Hop, donc les deux pieds, deux jambes fléchies, soit une jambe devant, une jambe derrière, soit les deux pieds écartés mais bien fléchis. Le corps ne bouge pas, c'est juste épaule en arrière. Donc là, c'est important de comprendre, c'est pas les coudes que je tire. D'accord, je cherche pas juste à tirer les coudes. Je cherche à sortir la poitrine, à baisser les épaules, puis les coudes qui se tirent en arrière. D'accord, j'abaisse les épaules, je pousse les épaules en arrière, puis les coudes qui se tirent. Donc au début, tranquillement, je suis solide sur mes appuis. J'abaisse les épaules, je tire les épaules en arrière. Les coudes. Les mains n'ont pas besoin de venir aux côtes. D'accord? Je garde toujours les épaules engagées, les épaules en arrière. Ici. D'accord? Et on en fait 10. Pareil, on en fait 10 comme tout à l'heure là. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va continuer à augmenter la résistance, voir comment on est avant d'attaquer la séance. Ici, donc, j'augmente encore. Hop. Le fait d'augmenter, il faut, idéalement, on va pouvoir essayer de jouer pendant la séance où on est assez avancé. Donc, n'essayez pas de dépasser 2 à 3 fois sa longueur. Je sais que les élastiques peuvent aller jusqu'à 4 fois la longueur. Je conseille de ne pas dépasser 2 fois et demi, 3 fois la longueur maximum, une fois qu'on est en tension maxi, pour les préserver dans le temps. Donc déjà 2 fois sa longueur, donc ça va venir ici, ça me permet de reculer un petit peu, même pas mal, pour finir ma séance, d'accord? En tirage, pareil, si je suis ici, je suis assez éloigné, là je vais être à 2 fois sa longueur, j'ai de la marge, je peux encore avancer pour finir ma séance. L'idée, c'est qu'au début du mouvement, en poussée ou en tirage, il faut que l'élastique ait un début de tension, c'est-à-dire si je commence mon mouvement ici, c'est pas bon. Là c'est bon, j'ai déjà un début de tension, donc dès que je vais commencer à tirer, l'élastique, voilà, augmente, c'est ça, le départ du mouvement, il peut être ici. Là, je suis bien, j'ai un début de tension dès le début. Ici, c'est dommage, je perds la tension, d'accord? C'est ça votre perte, ça sert à rien d'aller trop loin. Ok, donc là, on essaye nos élastiques, on va voir comment on est sur ces élastiques-là. Ici, hop, on ouvre bien la cage thoracique, là, je tends, je reviens. On en fait 10 aussi, pareil, cette cadence-là. On peut chercher à aller un peu plus loin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, et la même chose pour le dos. Donc là, je vais mettre face à vous. Donc là, soit les deux pieds alignés, soit une jambe devant, une jambe derrière. J'ouvre la cage thoracique, je le répète. Épaule en arrière, puis les coudes. Et j'ouvre la poitrine le plus possible, je reviens. D'accord? Je ne mets pas les mains aux coudes. Parti pour 10. Là, épaule en arrière, les coudes suivent. 2, 3, le corps ne bouge pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors,
Les mains pivotent, d'accord? Je laisse mes mains pivoter, je laisse les mains aller comme elles veulent. Ok? Verrouillez pas les poignets dans un angle qui ne vous correspond pas forcément. C'est la force des poignets, c'est que les mains respectent votre anatomie. Moi, mes mains, c'est plus naturel de faire ça. Je ressens mieux le dos, je les laisse aller comme ils veulent, d'accord? Ça me permet de ne pas me faire mal au coude et bien ressentir le dos. Deuxièmement, pour ceux qui maîtrisent, parce que ceux qui ne sont pas 100% à l'aise, je le répète, pensez pas trop à la respiration, pensez plutôt à la posture. Je préfère qu'on privilégie la posture que la respiration. Une fois que vous l'avez bien, pour le dos, je préfère qu'on inspire quand on tire, parce que je vous demande d'ouvrir la cage thoracique, et expirer quand on relâche. À l'inverse, les pecs, on expire, on souffle pendant l'effort, on inspire quand on vient. Je vous demande d'ouvrir la cage thoracique, donc inspirez. Ok ? On va faire 4 tours ici de ces deux exercices, ce qui va vous permettre aussi d'ajuster si jamais c'est trop dur, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est le temps. On va faire sur 40 secondes d'effort. 40 secondes d'effort, 30 secondes de repos, donc ça vous laissera largement le temps de réajuster vos élastiques. 40 secondes d'effort, c'est long pour avoir un bon temps sous tension, pour mieux ressentir les groupes musculaires. Ok ? On est parti. Donc, on va garder cette tension-là. 40 secondes d'effort sur 4 tours sur ces deux premiers exercices. Allez, c'est parti. Hop. On va commencer pour les pecs. Hop. Allez. On y va. Ici, je pousse. Je reviens. Voilà, je contrôle bien ma position des jambes. Là. Pas besoin d'aller plus vite. Je cherche à bien sentir. Le premier tour, c'est vraiment pour commencer à bien sentir, pré-fatiguer, plutôt ajuster la résistance, voir si c'est trop dur ou pas. Là. Là, je veux vraiment que ce soit le deuxième tour qui soit très dur. D'accord ? Donc là, on est pas mal. 5 secondes. 1. Ok. Pareil pour le dos. Donc pour le premier tour, prenez-le comme vraiment. Il faut que ce soit dur pour voir si vous avez visé trop haut ou pas assez. Ok. Donc 30 secondes, ça vous permet de vraiment souffler tranquillement. Essayez de garder la même tension pour les pecs et le dos. Après, vous allez jouer avec la distance. Normalement, on a un peu plus de force pour le dos. On est censé avoir un peu plus de force pour le dos, pour le tirage. 5 secondes. On s'installe. Ici, les jambes bien fléchies. Hop, là, j'ouvre la cage thoracique. Je reviens. Alors, je laisse mes poignets tourner comme ils veulent. Du moment que j'ouvre les épaules, la poitrine engagée, là. Et à chaque fois, je vais bloquer une seconde. Les épaules basses, je bloque une seconde, je reviens. Je tire, je bloque une seconde en abaissant les épaules, je reviens. Ça me force à bien me connecter sur le dos. J'abaisse les épaules, je bloque, je reviens. Corps bloqué à chaque fois une seconde. C'est normal de sentir qu'on est tiré en avant. Les cuisses travaillent aussi. Là. On maintient à chaque fois une bonne seconde. On cherche à se connecter sur le dos. J'inspire quand je tire. Ok ? Donc, dans ce genre d'exercice, c'est ce que j'appelle du gainage camouflé. Vous n'avez pas senti les abdos. J'appelle le gainage camouflé parce que je vous demande un maintien de posture. Et c'est là-dessus que je joue beaucoup. Ce maintien de posture fait que ça va renforcer votre tronc, votre schéma corporel, votre gainage, pour que votre corps ne bouge pas, il soit stabilisé dans les mouvements. D'accord ? Donc deuxième tour. Ce tour-là doit être dur. Donc on va plus loin. On va chercher plus dur ici. Alors, on se met en difficulté. Là, pas plus vite par contre. Je contracte bien les pecs en bas tendu. Je reviens. Là, je garde les épaules basses en arrière. C'est pour ça que j'ai mis 40 secondes pour que vous puissiez mieux maîtriser le mouvement. Et mes mains là aussi, hein, je les laisse tourner comme ils veulent. Moi, je ressens mieux quand les paumes de main tournent. C'est peut-être psychologique. Je sais pas. Moi, j'ai une meilleure sensation sur les pecs en tournant les paumes de main face à face. Là, ils sont tournés vers le sol au début et ils tournent face à face, bras tendus. Ok. Le dos. Donc, normalement, ça va essouffler aussi. Hein. Je me précipite, mais vous avez le temps. En 30 secondes, on a le temps quand même, on a le temps de s'installer. Et même le temps de boire une petite gorgée hein, si vous voulez. Là, j'essaie de ne pas vous mettre la pression, j'essaie de faire en sorte que vous maîtrisez l'exercice, mais de façon cadencée quand même. Ok, c'est parti. Hop. Là.
Chaque fois, je le répète, je bloque une seconde quand j'ai les bras tirés en arrière, les épaules basses. Ça me permet de vraiment ressentir le dos, sentir que ce n'est pas les biceps qui travaillent. L'angle entre l'avant-bras et le biceps, il est ouvert quand je ne referme pas les bras, quand je cherche juste à tirer épaules et coudes en arrière. Les bras ne se referment pas, les avant-bras ne se referment pas sur les biceps. Je ne sens pas du tout les biceps. Si vous sentez les biceps, c'est que les mains montent trop vers les épaules. Donc ne les poussez pas vers les bas. Essayez de faire en sorte que vos avant-bras ne forcent pas, ni vers le bas, ni vers le haut. Juste épaules et coudes qui tirent en arrière. On bloque à chaque fois. D'accord? C'est courant au début de vouloir tirer comme ça. Donc on n'est que sur les biceps. Cherchez juste à tirer ici, tranquillement. D'accord? Et encore deux tours comme ça. On s'installe. Hop. On prend les poignets. Encore 10 secondes. Donc une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez inverser les jambes quand vous êtes à l'aise. 2, 1, épaules basses. Voilà. Et je serre fort le ventre, je ne suis pas embarqué en arrière. Donc plus on va loin, plus le gainage et la stabilité des jambes est important. Je suis obligé d'écarter fortement les jambes, le bassin. Il doit être plus ancré vers le sol. L'écartement des jambes est de plus en plus important. Sinon, je tire en arrière et je gaine le plus possible pour ne pas être embarqué par l'élastique. Je ne dois jamais avoir mal au dos. 8 secondes. Ok. Donc, dos, hein, c'est pareil. Plus je vais aller loin, plus la tension, il y a la tension, plus les cuisses sont solides. Donc soit les jambes écartées, soit une jambe devant, une jambe derrière. Là, je vais vous montrer une jambe devant, une jambe derrière pour vous montrer que les deux se font. L'idée, c'est de trouver la position qui vous correspond le plus. 5 secondes. Hop, je vais assez loin. Une jambe devant, une jambe derrière. Les deux jambes sont fléchies. Et je me concentre bien sur le dos. J'abaisse les épaules. Je reviens. Souvent, quand on débute, on préfère une jambe devant, une jambe derrière. Quand on est plus à l'aise, moi personnellement, je préfère la position squat. Je me sens beaucoup mieux en position squat, mais les deux sont bonnes. L'idée, c'est que par contre, c'est bien d'alterner les jambes, hein, une fois que vous l'avez, pour pas que ce soit toujours la jambe avant qui travaille plus que l'autre. Bah, c'est toujours la jambe avant qui travaille, mais pour que ce soit toujours la même jambe, je veux dire. Voilà, je me concentre sur le dos. Ok, dernier tour. Donc là, pec, épaule, travaille aussi, hein. Pec, épaule, ça bosse. Le dos, vous devez sentir. Donc là, dernier tour, pec, dos. Donc là, je choisis 40 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Ici, ça va changer sur le deuxième exercice. Cinq secondes, 4, 3, 2. Ah, allez, c'est parti. Je cherche pas à aller trop vite pour pas me crisper sur les épaules. Je le répète, c'est pour ça que j'ai mis 40 secondes. Pour pas que ce soit trop dur en tension, pour que vous puissiez bien faire le mouvement, bien sentir l'ouverture de la cage thoracique. Là, en me concentrant sur les pecs et pas que sur les épaules, j'essaie de garder les épaules en arrière tout en restant bien gainé. Surtout quand j'ai les bras tendus, je serre très fort le ventre pour sentir que l'élastique ne m'embarque pas en arrière. 8 secondes. Ok. Et le dos. Donc 20 secondes, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. C'est le dernier. 10 secondes. Donc à chaque fois, cherchez bien à tirer le coude et les épaules en arrière et à baisser les épaules. D'accord? Je ne force pas sur les avant-bras. Et c'est parti. Hop. Là, je baisse les épaules. Je reviens. Donc les coudes le long des côtes pour bien cibler vraiment tout le dos et pas être sur les trapèzes. Alors les coudes ouverts, c'est un bon exercice aussi, hein, mais coudes ouverts, on est plus sur l'arrière des épaules et les trapèzes qui ont dominé et on a moins de force. Donc là, c'est plutôt un exercice de base qui fait vraiment le dos.
dans son ensemble. Je bloque à chaque fois. Il doit rester 5 secondes. Ok. On peut boire un coup avant de passer au suivant. Alors, pour le prochain, on va prendre les élastiques. Donc, vous pouvez garder les élastiques ici qui servent tout à l'heure. Si on sortait d'eau, on les remettra après. Ici, donc, prendre les élastiques. Il y aura, parce qu'il reste deux enchaînements encore. Donc, prochain, avec tous ces élastiques-là, ça devrait le faire. Ça va être ici. On est assis. Les élastiques au niveau des pieds, ici, les jambes légèrement fléchies. Je prends les élastiques à pleine main. Je me tiens droit, un peu penché en arrière. Ici, je tire les épaules en arrière, puis les coudes. Ok ? Je remets un travail sur le dos. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que là, les jambes ne vont pas nous embêter. On peut se concentrer vraiment à 100% sur le dos. Donc, en gros, je continue de mettre une couche sur le même angle. On continue à travailler pareil. Sauf que là, il n'y a pas d'action sur les jambes. D'accord ? Le gainage travaille beaucoup moins. C'est juste pour vraiment me concentrer sur le dos. Ici, donc là, j'abaisse les épaules, je tire les coudes en arrière, je reviens. Ici, là, d'accord. Donc plus je vais prendre court, plus ça va être dur. Donc n'hésitez pas à prendre de nombreux élastiques. Parce que si vous prenez extrêmement court, vous êtes trop tiré sur l'élastique. Prenez plusieurs élastiques si besoin, d'accord. Ici, ok, normalement ça devrait le faire. Et l'autre exercice, ça va être les pompes. Donc on peut le faire avec élastique aussi. Hop, un gamp. On peut le faire avec l'élastique ici. Par exemple ici, je prends l'élastique dans le dos. Je vous montre si jamais les pompes c'est trop dur. Je prends l'élastique assez tendu dès le début. Donc là, je vais m'allonger. Hop. Je prends une tension dès le début. Parce que si je commence ici, ça sert à rien. Je prends très court, ici, assez court. Hop, les paumes de main sur l'élastique. Hop, je suis en pompe. Là, les épaules basses. Je monte et je reviens. Ok. On peut le faire sur les genoux. On peut faire sans l'élastique. D'accord. Si c'est trop dur, l'idée c'est que ce soit dur, mais que ce soit accessible à tous. Vous prenez un support, par exemple deux chaises. D'accord. Deux chaises c'est pour pouvoir poser vos mains un peu plus que la largeur des épaules, tranquille, pas que vous soyez pas serré. Une table, d'accord. Plus c'est haut, plus ça va être facile. Ici, par exemple, je suis sur les genoux. Là, je descends épaules et coudes sous une des épaules. Épaules bas, je veux dire, et coudes sous une des épaules. Et je reviens, d'accord. Mon support arrive à la poitrine. Ça, c'est pas bon. C'est une erreur courante, vous voyez. Mes coudes dépassent les épaules, là je suis en train de rentrer la tête dans les épaules. Donc j'abaisse les épaules, je descends, je remonte. Donc là j'ai le mur en face de moi qui m'embête. Mais ici vous avez compris le principe. D'accord. Donc n'hésitez pas à prendre deux chaises si besoin. Donc là ça va être du 30-20. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc ça s'enchaîne assez vite. D'accord. 3 tours, ok. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. On va commencer par les pompes. Je vais varier les angles, je me mets face à vous, je mettrai de profil aussi après. Ici, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Hop, vous avez vu, les exercices ne sont pas compliqués. Ok, donc on se prépare pour les pompes. Je vais lancer, on installe l'élastique. On s'installe au sol, enfin élastique, si on a besoin d'élastique, sinon sans élastique. Et je lance. 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Là, on ne fait pas trop vite, on contrôle le mouvement. Et quand je redescends vraiment le ventre au sol. Hein, d'accord. Je ne m'arrête pas à mi-parcours, je descends le ventre au sol pour être sûr d'avoir une amplitude complète ou la poitrine sur le support. Si on fait sur un support, ici, je fais complètement... D'accord. Le ventre et la poitrine touchent le sol. Je suis complètement relâché au sol pour être sûr d'avoir une bonne amplitude. Bon, sauf si vous avez des douleurs articulaires, vous adaptez bien sûr. Mais sinon, essayez de faire un mouvement complet. Ok. Donc là... Le rowing. Donc à 20 secondes, ça s'enchaîne assez vite, mais vous avez quand même largement le temps de vous installer. Hop. Ici, les jambes semi-tendues pour ne pas bloquer le bassin. J'engage la poitrine. Ici, je commence déjà à m'installer. Épaules basses. Hop. Et j'y vais. Si je tiens les coudes en arrière, je reviens. Si je veux que ce soit assez dur, je fais assez dynamique, c'est-à-dire je ne laisse pas de phase de repos bras tendus. D'accord. Dès que mes bras commencent à se tendre, hop, je repars. Comme ça.
j'augmente le temps de tension pour le dos, il se relâche pas, d'accord? Zéro repos. Ça, c'est si je trouve que c'est pas assez dur, hein, je peux soit augmenter la tension élastique, soit jouer sur ces tempos qui va permettre de bien congestionner mes ressentis sur le dos. Épaule basse toujours. Ok. Je baisse un peu le son. Hop, on va repartir sur les pompes. Donc dans 8 secondes, donc 3 tours comme ça, 5 secondes, hop, 2, 1, les mains écartées, et j'y vais. Donc je répète, à chaque fois, j'essaie de faire une bonne amplitude, et me concentre sur les pecs, je ne suis pas crispé sur les épaules, là je ne sens pas les épaules, là, je ne me crispe pas sur les épaules, je garde les épaules en arrière. Bon, à la fin, on va sentir un peu les épaules quand même, c'est dur de totalement inhiber les épaules sur les pompes. Dès que c'est trop dur, on lâche l'élastique. Ou on enlève un peu la tension. Ah, cette deuxième série est nettement plus dure que la première. C'est aussi l'avantage de redescendre le ventre au sol. Ça permet de relâcher un petit peu et repartir à 100%. Donc, je ne profite pas de l'élasticité du muscle. Mais au moins, j'ai en mouvement complet. Allez, c'est reparti le dos. Ici. Alors moi je ne me crispe pas les mains sur les élastiques, je ne suis pas crispé dessus pour ne pas saturer mes avant-bras, je suis plutôt souple, je les verrouille bien, hein. Ça c'est un coup à prendre, ici. Alors avec la barre, on aurait pu le faire avec la barre aussi, hein, qui permet qui était plus facile pour bien avoir le mouvement, je vous montrerai à la fin comment le faire si vous voulez vous refaire la même séance. Ok. Les pompes. Il y a une alternative avec la barre pour que ce soit un peu plus confortable. Cinq secondes. Deux. Un. Allez, c'est parti. Ouais, j'avais dit que je mettais de profil. Bon, c'est pas grave, vous voyez, de toute façon. Épaules basses, jambes tendues tant que je peux. Je descends plein le ventre au sol. Hop. Souffle bien la montée. 10 secondes. Là, c'est très dur aussi pour moi. Il faut que ça dure. 2, 1. Ok. Rowing, dernière fois. Cinq secondes. 2, 1, et c'est parti. Assez dynamique pour vraiment saturer le dos. Mais j'inspire bien quand je tire vers moi. Je cherche vraiment à ouvrir la cage thoracique. Restez concentré là-dessus. Parce que je peux pas, les épaules ne s'enroulent pas en avant. Ça ne sert plus à rien. Il y a les épaules en arrière, les épaules basses. Ok. Juste pour vous montrer, avec la barre, hop, ici, parce qu'il est intéressant. Avec la barre, c'est intéressant. Tac. Donc si vous voulez refaire, c'est la même séance. Vous voulez, voilà, avec les élastiques, c'est pas confortable. Avec la barre comme ça, c'est vraiment pas mal aussi. Là, je mets l'élastique ici, sur la barre, comme ça. Donc j'ai une boucle de chaque côté. Hop, je mets les pieds aux élastiques, qui permettent d'avoir une tension dès le début. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une tension dès le début, jambes semi-tendues, voilà. Et là, je m'agrandis et je tire. Donc là, vous choisissez soit paume de main, face au sol, d'accord, vous voyez selon votre confort, soit paume de main vers le ciel. On a tendance à dire un angle travaille plus les biceps que l'autre. Moi je préfère vous dire choisissez l'angle qui vous correspond par rapport à vos épaules. Morphologiquement, on n'est pas tous faits pour être dans le même angle, les mains. Donc ici, là, ou dans l'autre sens, en sortant bien la poitrine. Ok. Allez, dernière
Dernier exercice ici pour se finir. Pour finir vraiment pec dos. Donc j'en mets les élastiques ici, sauf que je vais enlever une tension. Je vais enlever une tension forte. Hop. Donc j'enlève une tension forte parce que là, on fera comme à l'échauffement. Il n'y aura pas de flexion de bras, on va être que sur les pecs, donc les triceps ne vont pas nous aider ici. Okay, je vous montre avant, je vais essayer de le faire un petit coup avant. Ici, donc pour les pecs, on va être assez loin. Ici, donc ce sera que 20 secondes, là, avec un étirement. Ici, je contracte, mais je ne vais pas jusqu'ici, parce qu'ici, il n'y a plus trop d'efforts. Je vous disais ici, parce que ça finit la sensation, mais c'est quand même le moins dur ici. L'angle est moins dur. Là, c'est pour vraiment finir, pour améliorer la contraction sur le bas des pecs, sur le milieu des pecs. Mais là, on va plutôt chercher ici. Là, vous voyez, l'élastique, quoi que juste toucher mon épaule, je reviens. Comme ça, il y a une tension constante. Parce que ici, je suis quand même un peu plus cool. OK? Donc, sur 20 secondes, comme ça ici, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, mais 3 fois de suite sur la même chose. Donc, pour le dos, ce sera la même chose ici. Moi, normalement, j'ai beaucoup moins de force ici, ce sera ça. D'accord? Donc, moi, logiquement, juste l'élastique bleu, mais je vous laisserai le temps de régler vos élastiques. Là. Donc après, ce sera pour le dos, ce sera ici, juste un seul élastique. Ici, on va chercher là. D'accord? Les bras semi-tendus. D'accord? Ici, pour sentir le dos. Donc, pour le dos, pour l'oiseau ici, personnellement, j'ai beaucoup moins de force pour l'écarter. Donc, on fait d'abord 3 séries en 20-20 que sur les pecs. Ça va sonner, vous aurez le temps de réajuster vos élastiques pour le dos après, d'accord? Donc 3 fois de suite que sur l'écarté, ok? En 20-20, donc ça va chauffer parce qu'on repart à chaque fois sur le même groupe, sur le même exercice avec 20 secondes de pause. On s'installe, hop. 4, 3, 2, 1, 0. Je vais assez loin ici, d'accord? Je touche à peine mes épaules, je reviens. Donc j'ai un étirement contrôlé bien sûr. Hein. Je ne vais pas trop loin, je ne cherche pas à me blesser non plus. Je contrôle mon étirement. Je cherche à avoir une tension constante. Ici, là. Il y a assez dynamique pour vraiment saturer les pecs. Je garde les épaules basses. Ok, ça a sonné. Donc là, premier tour, ça a été. D'accord, je cherche à me concentrer sur épaules basses et vraiment ici, garder toujours les épaules en arrière. D'accord, je ne cherche pas à aller loin devant. C'est aussi pour ça que je ne vous demande pas d'enrouler ici pour garder vraiment une tension sur les pecs. Sinon, trop, on va chercher trop loin devant, les épaules prennent le dessus. Attention, on s'installe ici et là. D'accord, je touche à peine les épaules, je reviens. Épaules en arrière. Voilà, je ne tends pas les bras loin devant moi. Et là, je suis vraiment sur les pecs. Voilà. Dès que je touche les épaules, je reviens. Donc là, ça chauffe, ça commence à vraiment brûler. Ok. Là, ça devient dur. Première série était facile. Deuxième, ça chauffe bien. Donc là, après, une dernière série, on joue avec la distance. Ok. Jouez là-dessus. Vous crispez pas sur les épaules. 5 secondes. 3, 2, 1. Ici. J'essaie d'avoir un souffle contrôlé. Et 10 secondes. J'essaie de voir le chrono en même temps. Bon, j'ai pas allé sur le chrono là. Ok. Voilà, ça chauffe bien. Donc, les pecs, je sais que c'est dur d'inhiber totalement les épaules, surtout ce genre d'exercice. Je cherche à travailler la fonctionnalité, vous inquiétez pas, les pecs travaillent aussi. Et derrière ça, je cherche quand même à travailler maintien de posture, le corps dans son ensemble, parce que dans la vie de tous les jours, les articulations ne sont pas verrouillées. On travaille tout le corps, donc c'est ça, il y a les pecs qui travaillent en plus d'avant les épaules. Je sais que l'avant les épaules travaillent, mais plus vous aurez maîtrisé. Moi, je tourne les mains ici, ça me permet de vraiment garder mes épaules en arrière et avoir mieux ressenti sur les pecs. Testez, vous allez voir. Normalement, vous avez le temps d'ajuster vos élastiques. Donc la même chose pour le dos ici, donc on va jouer sur la distance, ok? 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Là. Allez, c'est parti. Là, je reviens et je repars. Pas besoin d'aller très très loin derrière, d'accord? N'allez pas trop loin derrière, si vous êtes trop loin derrière, vous allez travailler les trapèzes et beaucoup les triceps. Triceps à prendre le dessus.
Donc là, pas besoin d'aller loin derrière. Et là même, en l'occurrence, même si les épaules, le dos est un peu enroulé, c'est pas grave, on est quand même sur le dos. Ici, épaule trop en arrière, vous allez avoir tendance à travailler trop les triceps. Ça va sonner, d'accord? Cherchez pas à aller trop loin derrière. Vous prenez pas trop la tête avec ça, mais ne soyez pas omnibulé d'aller très loin derrière. Le dos, c'est juste les bras qui partent sur l'arrière. Plus vous allez loin en arrière, plus les triceps ici vont prendre le dessus. Okay. Cherchez surtout à resserrer les omoplates, c'est surtout ça. On resserre les omoplates, c'est reparti. Si je resserre les omoplates, là, je resserre bien les omoplates. Donc les coudes, les mains et les avant-bras, je les envoie sur l'arrière en resserrant les omoplates. Ici, je baisse le menton pour ne pas me crisper sur la nuque. Et je ne tourne surtout pas la tête. D'accord ? Je regarde en face de moi. Ok, ça sonne, dernier. Donc là, c'est moins fatigant que l'autre, je trouve. Et moi, personnellement, j'ai moins de force. Donc je ne peux pas me permettre d'aller aussi loin. Sinon, je vais être trop sur les trapèzes. Donc il faut trouver juste au milieu. 2, 1. On est reparti. Ici, hop. Voilà, j'abaisse bien les épaules. Ici, assez cadencé. Voilà. J'essaie de ne pas avoir de phase de repos quand je reviens. Je repars direct. Surtout, c'est le dernier tour, dernier exercice là. Dernier enchaînement. Je fixe les omoplates. Je les resserre à chaque fois que je tire les bras en arrière. Ok. Voilà, votre séance pecdo. Donc là, on va faire un petit retour au calme. Très, très tranquille ici. Donc pas de gros stretching. Ça ne sert à rien de faire du stretching juste avant, après une séance. Au contraire, vous risquez de vous blesser parce que le muscle a été abîmé. Donc un retour au calme. Ici, je vais chercher à enrouler le dos ici. Je vais me pencher en avant, enrouler le haut du dos, laisser les bras partir en avant ici. Là, ça va étirer le haut du dos. Hop. Je reviens, je vais amener les bras au ciel qui va me permettre d'ouvrir la cage thoracique ici, les épaules. Voilà, je m'agrandis bien. Hop, épaules, bras sous la ligne des épaules, j'ouvre ici. Je m'agrandis. Hop, je reviens. Je vais enrouler le haut du dos ici, hop. Donc si j'ai un problème de dernier discale, je ne peux pas enrouler le dos, vous gardez le dos cambré. Ici, vous enroulez le haut du dos ou ici, là devant, vous cherchez à enrouler. Ici et là, on va alterner, mais que le haut du dos, d'accord? Et là, ici, je m'agrandis bien. Hop, ici, hop. Et voilà, ça sera bon pour aujourd'hui. Si ce style de séance vous plaît, je vous invite à rejoindre un programme qui correspond à votre objectif. Donc, ce programme prise de muscle athlétique, là, c'est le même genre de séance, prise de muscle athlétique. Donc, 60 séances que je fais entièrement avec vous, du full body, du half body. Donc, que avec élastique et la barre que je vous ai montré précédemment. Voilà, vous avez tout, vous avez juste à me suivre pour atteindre votre objectif. Donc, je le répète, hein, pour atteindre son objectif, ce n'est pas l'addition de séances qui fait un programme. Un programme, ça se construit d'une façon logique pour vous faire évoluer. D'accord ? C'est vraiment pas pareil. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous rejoindre ce programme. Donc, le lien est dans la description sous la vidéo, vous pouvez le retrouver. Ou sinon, vous cliquez juste ici et je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !